Brésil est élu en 79. C'est le professeur du club de judo dans lequel on donnait les cours d'aïkido au dojo méditerranée, au Filegara, qui nous a donné l'idée d'utiliser la structure du fort parce qu'il faisait un stage de judo régulièrement tous les ans. Donc on a décidé de faire ça avec Tiki et surtout de faire un stage un peu pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas seulement un stage d'aïkido et quelques disciplines annexes, mais un stage où tout le monde fasse tout. Donc au départ, on était parti avec l'aïkido, ken et yai. Et puis en 80, on n'a pas fait le stage parce qu'il y avait la tournée des experts japonais que nous avons organisée en mai. Donc c'était à la même période. Et donc la fois suivante en 81, le deuxième stage a eu lieu en 81, Pascal nous a rejoints et on a introduit également le judo dans le stage. Si je me trompe pas, et Pascal te confirmera, c'est une idée qui vient de lui. Ça c'est ma faute, je suis désolé. Comme je faisais de la calligraphie dès le début, c'est moi qui ai décidé que plutôt que de saluer un mur nu, ou un mur dans ce stage avec la photo de Maître Ueshiba, qui ne concerne pas les Jodoka ni les Yaidoka, alors est-ce qu'on met les trois photos des trois fondateurs? Ou est-ce qu'on met une photo unique, un chemin, 28 ans d'affilée, toujours le dos devant? Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une calligraphie? Alors maintenant, quoi? Il y avait deux, trois thèmes que j'aimais bien déjà tout au début. Alors j'ai commencé avec un thème, les gens ont trouvé ça super. Petit à petit, les intervenants ont développé une bonne vision de tous ces thèmes et une possibilité de raccorder les techniques à ce thème-là. Donc petit à petit, on les a choisis un petit peu à l'avance, en disant bon, cette année on va faire ceci, on va faire cela, et chacun essaye de se tenir à ce thème et de développer des principes ou de travailler des principes qui ont un rapport avec le thème du stage. Ancien, et ça c'est le thème du stage. Je vais laisser Daniel expliquer le thème du stage, et ensuite j'expliquerai le thème des anciens. C'est une calligraphie de l'OCLC que j'ai trouvée sur un livre de Stevens. Je crois que c'est la philosophie d'Aïkido. Donc à la fin du livre, il y a cette calligraphie qui dit Odo no Kamu Waza, les divines techniques de Odo. Alors, je vais vous donner l'interprétation de Daniel Stevens. Je ne sais pas comment il l'a trouvée, mais elle est intéressante. Et donc elle peut être adaptée à ce stage. Enfin, clique à ce stage. Et Lorenzo donnera l'explication, comment on pourrait dire, mythologique. Divine de Odo, qui littéralement veut dire la petite porte. Et la petite porte, c'est le nom de. D'un estuaire. D'un estuaire. D'un estuaire. D'un estuaire. D'une rivière au Japon où la mythologie classique japonaise, Shinto, bien entendu, place la première action de purification de Mizori. Stevens traduit cette calligraphie en disant se trouver au bon endroit au bon moment peut créer des techniques quasi miraculeuses, enfin qui peuvent sembler miraculeuses. Mon lien avec le stage, j'ai plein de copains ici et un beau jour, ils étaient bien embêtés, ils m'ont dit pourquoi tu ne viendrais pas? Et moi, je n'avais pas envie de venir pour me lever à 6h du matin, mais alors on a négocié cette histoire-là, et ben voilà. Ça ne sentait pas, ça tape les poignets. La pointe dans le plexus. Normalement, bien sûr, on la met pas, enfin, on peut la mettre dans le plexus. Quand on la met dans le plexus, ça s'appelle le côté, c'est-à-dire justement on chope le poignet, c'est pour ça qu'il faut descendre.
bien. Normalement, c'est ici. C'est mieux. Là. Là, c'est quand c'est au cinéma parce que c'est plus joli. Cinéma japonais moderne. Ou bien. Et là, il vaut mieux s'arrêter parce que c'est quand même un peu fragile cet endroit-là. L'avantage de tous ces mouvements, c'est que dans tous les cas, vous contrôlez en même temps, ici, vous restez avec lui. Bien sûr, la direction du mouvement, c'est vers son axe. Il ne faut pas s'occuper de regarder et d'éviter le machin. Tout simplement. Surtout pas s'affoler, vous marchez ici. En gros, c'est... Mais en marchant, vous laissez le sabre partir. Pas chercher à taper dessus. C'est pas... Ça, ça part derrière. Il y a un yin et yang du corps. Quand vous servez du sabre, le yang du corps, la partie vive, c'est de ce côté-là. C'est pas de ce côté-là. Si vous évitez le sabre, vous inversez le yin et le yang du corps. C'est-à-dire que c'est le dos qui devient le yang et ça, ça devient le yin. Et ça crée une ouverture. C'est très dangereux. Vous avez, il faut garder ce yin et yang devant derrière, ici, de manière à ce que vous soyez dans ce sens-là. Il n'y a aucune raison d'éviter le sabre. Il suffit de marcher. Précisons simplement une chose. Que on marche, ça s'appelle Nambaruki. Comme ça, et pas comme ça. Si vous marchez normalement, on va dire, votre axe reste sur une ligne et il n'y a aucun mouvement, enfin, le haut compensant le bas, il n'y a aucun mouvement, alors qu'ici, à chaque fois, on change de ramée, si vous voulez, en marchant comme ça. Donc vous savez, un travail totalement différent. Deux côtés, on travaille, enfin, le haut et le bas du corps travaillent en même temps. Si vous marchez comme ça, vous n'avez pas à éviter le sabre. Si vous marchez en évitant, vous restez dessous. Alors que là, il s'agit simplement d'avancer. Son axe est par là, rentrer vers l'axe. Et le sabre, attention, il n'y a pas besoin de faire un effort. De se cramponner au sabre et d'essayer de lui enfiler un grand coup. Voilà, ça c'est le moment de l'impact. Ça ne marche pas. Il faut que votre corps soit absolument, que tous les angles ici soient exacts de manière à ce que l'énergie de votre mouvement arrive et soit transmise exactement où ça doit l'être. C'est tout, le reste ça sert à rien. Vous balancez le sabre comme ça et vous êtes derrière le sabre. C'est-à-dire qu'au moment de le bac, il n'y a pas besoin d'effort. Toutes les lignes aboutissent là-bas dedans, en passant par la pointe bien sûr. Si jamais l'effort est ailleurs, ce qui se passe très souvent quand on pratique sa guérie, c'est que en fait la coupe. C'est pour l'herbe. Ce qui fait qu'en plus le corps est entraîné, voilà, là, donc, chouf, ça a coupé là. Alors que c'est ici qu'il faut, à cet endroit-là, il faut que vous soyez absolument efficace. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, vous devez être ici et là. Si vous ne pouvez pas toucher à main nue, c'est la preuve que vous êtes trop loin. Ici, pourtant, ça fait plaisir. Là. On se dit, tiens, j'ai touché. Je suis beaucoup trop loin. La distance du sabre, c'est celle-là. Au
au moment de l'impact, je veux dire, pas après, ni avant. Là, les choses se transmettent. Pas besoin de beaucoup, il suffit de... Bien sûr, les mains, pas trop. C'est encore un petit peu. Pour nous, c'est le vide et plus probablement dans ce cas-là la vacuité. D'une part, vous n'avez pas de garde et d'autre part, c'est la vacuité elle-même qui est votre garde, la vacuité conçue en tant que potentialité universelle. C'est pas... It's not something like this. Rien. Complete opening. Complètement ouvert. Et, seconde, vous bougez comme de l'eau. C'est-à-dire que si une ouverture se présente dans l'eau, l'eau n'est pas en train d'attendre que l'ouverture se fasse. Mais quand l'ouverture se présente, l'eau bouge. C'est simplement ça. So you move like water, and the main idea in there is think more distance. You always working here, that, or walking. Passez, marchez, ne vous arrêtez pas sur votre partenaire, parce que là, ça devient un mouvement en réaction. Un mouvement de réaction, c'est pas un mouvement d'action. Ce qui me gêne un petit peu quand je tourne, c'est ceci. Ok. Si vous travaillez vraiment juste, c'est différent pour lui. Vous ne devez pas avancer avant que votre sabre soit à la verticale ici. C'est seulement maintenant que je peux venir en avant. Donc, vous travaillez sans la petite dose de danger ou de risque qu'il faut avoir dans tout mouvement de Budo. S'il n'y a pas de risque, ce n'est pas un mouvement de Budo. C'est aussi simple que ça. Donc ici, travaillez. Maintenant, il sait pourquoi il fait ça. Deuxième chose, la distance qui sépare Lorenzo de moi. Ici, maintenant. Voilà, cette distance, c'est lui qui va la couvrir. Moi, je vais en faire le moins possible. I am going to do as little as possible about the distance. It means that I have time. It means that I should not move before he moves. I let him move and I move only at the last second. If I do half of his work, it is Ayuchi. Si je fais la moitié de son boulot, c'est Ayuchi. Ici, on a autant de chances l'un que l'autre. Si je reste à ma place et que j'attends et je lui fais tout le travail, c'est lui qui le fait. Okay. Et j'ai encore trop de temps, je pourrais encore attendre plus. Ok? Donc ça, essayez de voir cette histoire-là déjà. La distance qui nous sépare, lui il en fait les trois quarts, et moi je fais un quart. Donc j'ai du temps. Ok? Essayez de travailler les coupes un peu plus correctement et essayer de faire cette différence entre timing et distance et timing. Donc celui qui coupe, faites bien attention. Celui qui coupe n'avance pas en faisant Jodan. Il peut venir jusqu'ici, mais quand mon pied dépasse ici, il faut que tout soit fait ensemble. Essayez de peaufiner un petit peu ça, s'il vous plaît. A second here. I shouldn't. On ne devrait pas avoir des choses à faire à la fin. Donc, ce kama est comme ceci. Vous n'êtes pas prêt ici.
Vous êtes prêts pour ceci. C'est comme si je suis avec un Hasokamae ici. J'ai encore tout ça à faire. C'est beaucoup. Et lui, il le voit. Donc pourtant, vous voulez être ici, s'il fait le même mouvement, quand il vient. Ici, il n'y a aucun problème pour celui-ci. Maintenant, quand vous êtes en bas, votre tenue de Ken doit être, le Hasuji doit être dans cette direction. Vous n'avez plus rien à changer. Si vous êtes comme ça, avec le Hasuji d'en bas, vous devez encore faire ceci avant d'attaquer. Vous devez encore faire ceci avant de faire votre mouvement. C'est un millième de seconde, mais c'est à peu près la unité de mesure que vous avez dans ce genre d'exercice. Donc, ici, travaillez bien le Hasuji sur votre adversaire. Maintenant, j'ai plus rien à changer que ça. D'accord ? Et vous attendez, vous avez tout le temps. Ok ? C'est juste de corriger encore ça, comme ça. Donc, ça veut dire qu'avant de faire mon mouvement, je vais devoir remettre mon Seiji Sen au milieu. Maintenant, je suis libre d'aller n'importe où et ensuite vers l'avant. Et maintenant, je suis prêt. Ça fait beaucoup. Donc, 18, Tiki Chuan a débarqué à mon cours d'IAI. Je ne savais pas qui c'était du tout. Et il s'est mis dans la ligne des gens, des élèves. Et il m'a demandé s'il pouvait participer au cours. C'est tout. Et nous avons commencé le cours. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'il avait un style qui n'était pas tout à fait le même que le nôtre. Mais, il travaillait bien, très très bien. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit, mais éventuellement, travaille devant nous et on va regarder un peu ce que tu fais, comme ça on peut apprendre peut-être quelque chose. Et au bout de 3 ou 4 cours, ça s'est inversé, je suis devenu l'élève de Tiki, et je regardais comment il travaillait et c'est lui qui prenait le cours chaque fois qu'il venait dans mon dojo. Donc il y a eu cette rencontre avec Tiki qui s'est fait absolument pas d'une façon je suis Tiki Chuan, je viens dans ton cours, laisse-moi la place. Il est venu comme un élève et il a attendu 3-4 cours que je lui laisse la place. Si je ne l'avais pas fait, il aurait continué à venir et à travailler, c'est tout. Donc ça s'est fait d'une façon très, très, très belle, je trouve. Et donc, je me suis dit, tiens, cet homme a quelque chose à m'apporter du côté du sabre, car mon côté sabre était assez pauvre quand je suis rentré du Japon. Et donc, lui m'a demandé de lui passer ce que je connaissais en jo, et moi, je lui ai demandé de me passer ce qu'il connaissait en sabre. Et ça a été donc le début presque 30 ans de... Pas tout à fait, mais oui, bientôt 30 ans d'amitié et de travail ensemble. Et donc, lorsque les îles de l'Erin se sont créées une année après cette rencontre, il m'a invité à faire partie des intervenants sur le plan du Jo. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le stage des îles de l'Erin dès le début. Et j'ai jamais loupé un stage, j'ai jamais raté un stage. Donc, en regardant notre travail, j'ai une ou deux choses à dire. C'était ça, c'était de se retrouver tous ensemble pour faire un travail intensif. Et surtout de partager les points communs entre les trois disciplines. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé cette idée-là, ben, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs et quasiment 100% de choses dans leur principe on a trouvé était en commun. Donc ça a été très très fructueux, très profitable pour tout le monde. Et la formule de cette coopération a bien pris et aujourd'hui on a un stage qui marche toujours aussi bien que depuis le début. We talked about Mugamai. Mu means néant. Emptiness. It doesn't mean necessarily the negative. So that. C'est pas le néant, le mu.
c'est quand même un terme bouddhiste. OK. But it doesn't mean nashis, OK? Absolutely. OK, here's what I want to get to. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une garde. C'est une garde, et qu'est-ce qui peut le caractériser? C'est qu'il n'a pas de définition, peut-être physique, de position définie, mais en même temps, cette position, avec toute sa liberté, ne donne aucune faiblesse ou ouverture non plus. Alors, trouver n'importe quelle position où il n'y a aucune faiblesse, et vous êtes déjà sur le chemin d'un mugamai quelque part. Mais, c'est pas évident à trouver. Tous les éléments qu'on a vus, la première chose, physique et technique, c'est que tous les éléments simples soient en place. Votre Seichusan, votre Hasuji, la position horizontale où vous êtes, qui doit être en place pour qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Que... Donc le kamaï devient l'expression statique de la rigueur, du dynamique déjà là, d'accord. Donc si vous êtes comme ça, par exemple, il est l'expression de notre dynamique peut-être. Si vous l'avez par rapport à lui, vous commencez à créer un kamaï qui exprime déjà la coupe qui va en naître de ça. Do I need to say all this in English as well? Please. What? Yes. Oh, all right. If you stand in what we call Hasso no Kamai, it can be Mugamai only because you are Mugamai. Okay? Otherwise, it's brought together in such a way that there's nothing else but the expression following. But it's already in the static. So this is an important point, because as long as you begin to bring in your intentions, au moment où vous commencez à avoir l'intention de faire quelque chose, ce n'est plus Mugamai. Vous créez une intention. Donc votre intention, et ça se sent dans le travail, c'est de gagner ici. C'est de faire mieux que lui. Hop ! Ça y est. Good. Et ça, ça a détruit Mugamai. That's not easy. Je ne dis pas que c'est quelque chose obtenable ou facile. Mais je sais qu'il faut l'obtenir si vous voulez jouer avec Mugamai. Je dis jouer parce que pour l'instant, on peut l'imiter, mais ce n'est pas forcément qu'on peut l'avoir, je pense. Alors, let's see. Daniele. Hi. You're good friends to take one ami avec lui, non? Champo. Oui. Alors, moi, vous allez jouer un peu. Certains ont déjà vu cet exercice, mais c'est juste une illustration. Je suis l'ange gardien de Daniele. Okay. On dit merci, Daniele. Voilà. Alors, si Lorenzo décide de couper Daniele, moi en tant qu'ange gardien, je dois le protéger et je fais attention. Bon, je ne l'ai pas sauvé. Too bad. Voilà. Je ne suis pas un bon ange gardien. Okay? Alors, où je veux en venir, c'est que beaucoup, vous avez tendance à vous contenter de faire ceci. Vous êtes ensemble. Et on vous a toujours dit, Aiki, ça veut dire unité, ensemble. Mais, being together is not a good thing. Because you're always trying to be together with his initiative. Vous êtes toujours en train de chercher à faire l'unité sur l'initiative de l'attaquant. Et ce n'est pas Aiki. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'aussi longtemps que vous suivez l'initiative pour être avec, vous suivez. Donc, c'est deux, ce n'est pas une ligne. Pardon ? C'est de la seule défense. Et on peut être très bon, ça peut marcher, mais ce n'est pas équipe. Donc ici,
juste simplement de faire ensemble. Ok. Bon, tous les deux sont partis. C'est eux les copains, donc ça ne me dérange pas. Je trouve une autre protégée. En tant que Mais je ne voudrais pas cher sur le marché des anges gardiens à cette vitesse-là. Alors, ce qu'il me faut, c'est de vivre indépendamment de ce qui se passe et d'avoir tout en place pour qu'il n'y ait pas de d'ouverture. Qu'il n'y ait pas de... Ça va? Donc, en question de temps, Stéphane nous a parlé de distance, correct? Ensuite, Pascal, il nous a parlé du temps d'agir, au moment d'agir, attendre et agir. Ça, c'est juste. Donc, vous attendez parce qu'il fait le boulot. Mais en même temps que vous attendez pas pour agir parce qu'il a fait quelque chose. En fonction de lui, vous agissez indépendamment. Donc, vous partez après, peut-être, mais vous arrivez avant. Bon. Là, je suis arrivé, j'ai fait mon devoir d'ange gardien. Alors, mettez-y par trois et essayez d'être des bons anges gardiens. Pratiquer. Maintenant, vous avez quelques minutes pour jouer comme de jeunes animaux qui jouent pour apprendre. Au lieu de vous laisser prendre le mental par la technique en disant je vais lui faire la question, jouer un peu. Non, mais c'est un jeu, mais c'est sérieux. Échanger. C'est tranquille. Vos os essentiellement transmettent, vous n'avez pas besoin. De... Si vous êtes comme ça, évidemment, ça devient difficile. Vos os, les cacahuètes. Ouais, un petit peu quand même. Profitez de l'occasion puisqu'il bouge. Vous servez gentiment de son mouvement et vous l'aidez à bouger hypocritement. En plus, vous changez un peu votre appui, vous bougez ça, et cette main-là qui n'a pas bougé, elle se retrouve dans sa figure très vite que sur tout ça. Ce qui est évidemment beaucoup plus rapide, comme vous l'avez compris, et comme Zénon Délé vous l'a expliqué. Maintenant, si vous n'avez pas lu Zénon Délé, ça ira en collection de poche. Rencontrer, discuter. Quand on parle de mouching, c'est pas l'intention de jeter le mec par terre comme un sac de terre, mais il faut quand même être conscient, au moins, de l'existence d'un axe et du confort de votre mouvement. Ça consiste à en foutre le possible, 300 000 années de sélection génétique, regardez vos crânes. Mais c'est ça. Beaucoup moins de travail inutile pour jeter les gens et beaucoup plus de travail utile. De votre mouvement et de son confort. Surtout, essayez de faire attention à la tête parce que tous on fait un peu ça. Maintenant que vous pouvez être visible, là il y a un creux. Il faut qu'au contraire, là ce soit là. C'est le regard, là, ça c'est normal. En extension, ça ne veut pas dire ça. Faites confiance.
mignonne du corps. Alors là, vous avez de la chance, c'est pas en bleu en bas, c'est là que ça travaille le plus, et c'est pas en blanc en haut, là, vous devez relâcher. Là, c'est fait pour vous aider à comprendre. Voilà. Ça vient de la qualité de la connexion en somme, bien sûr. C'est-à-dire ce point-là, le gain qui doit être en contact très doux, très élastique avec le sol. On s'en fout que ce soit le circuit énergétique ou pas, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que vos chevilles soient débloquées, de même que vos genoux soient débloqués, vos hanches soient débloquées, que votre cage thoracique soit débloquée, parce que tout ça fonctionne en permanence comme un amortisseur. Et c'est très élastique. Attention à ne pas faire des mouvements trop droits, parce que là, tout est bloqué. C'est toujours plus ou moins dans une spirale. C'est-à-dire que son squelette, par exemple, ça ne fait pas une ligne droite ici. Donc vous n'avez qu'à simplement suivre le squelette. Pas trop réfléchir, il faut réfléchir avant, pas pendant. À raconter des conneries. Ah, je vais vous montrer un petit truc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est un truc très simple. Mettez-vous comme ça. Ah, vous pouvez changer de main si vous voulez, vous pouvez fermer la main, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Rigoler. Ça, c'est là que ça fait marrer. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il est d'accord. Il y a plein de choses. Enfin bon, quand même, j'espère. Aussi. Peut-être pas surtout, parce que c'est pas nécessairement le principal dans les stages. Pratiquer, on peut pratiquer dans les clubs. Mais dans les stages, il y a de l'échange. On rencontre des gens qui ont des fois des expériences différentes. Ici, des gens qui ont des pratiques différentes. C'est une bonne chose, un peu de mélanger, d'approcher les choses différentes. Pas en les opposant, mais en cherchant les valeurs communes, comme on dit de nos jours. Je pense que de rester à la maison, à travailler sur son propre travail, à travailler sur ses propres katas ou son propre art, et de ne jamais sortir, voir ailleurs, le confronter, le comparer, etc., n'est pas une très bonne chose. C'est comme un enfant qui ne sort jamais. Le jour où on le laissera sortir, ça va être très dur, parce que tout ce qu'il aura fait à la maison, même si c'est bien, ça n'a jamais été confronté, ça n'a jamais été sorti et discuté avec d'autres personnes qui ont peut-être des avis un peu différents. Et donc j'estime que quelqu'un qui ne fait pas de stage est assez pauvre en boudoir. Quelqu'un qui fait trop de stages également. Je pense que quand on court d'un stage à l'autre, moi j'aime pas tellement ça non plus, parce que tout ce qu'on emmagasine durant un stage, c'est fait pour y penser, y réfléchir et le travailler, le peaufiner et le mettre en pratique. Alors si on a un stage toutes les deux semaines, on emmagasine et on ne fait rien, on ne pratique rien, on ne répète rien. Et ça, à mon avis, c'est aussi mauvais que de ne jamais sortir. Ah, oui, une différence. On ne va pas parler de différence. Il y a complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour l'étude spécifique d'une discipline. Pendant un bon nombre d'années, il faut étudier une discipline pour en maîtriser les aspects, qu'ils soient culturels, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient simplement la discipline en elle-même. Ensuite, que l'on aille faire ou que l'on visite des stages comme ceux-ci, avec plusieurs disciplines et plusieurs experts, c'est une complémentarité où l'on va justement aborder les principes d'une manière différente.
Je pense que il faut faire les deux. Et ils ne sont pas concurrents, c'est vraiment une complémentarité. Il faut trouver votre sens d'équilibre qui vous permet de bouger sans être obligé de modifier l'axe de votre corps. Je vais faire une bêtise, je préviens. Tu peux frapper, mais je fais une bêtise. Voilà, si vous faites comme ça, c'est pas bon, hein. Si tu filmes ça, c'est un désastre. Hein. Vous, par exemple, voilà, vous allez voir tout de suite que c'est payant. Hein. Non, il faut que vous ayez sur les points d'appui, sur le devant du pied ici, que vous ayez le corps qui soit à la limite prêt à partir sur l'avant. Les genoux légèrement fléchis, les hanches mobiles, et surtout, aucune idée préconçue sur le mouvement que vous allez faire. Il faut que ça soit spontané. L'attaque arrive. J'ai confiance en lui, je sais qu'il va faire une coupe correcte. Et vous allez être en relation directe avec lui, et votre extension va aller chez lui directement. Si vous commencez à faire comme ça, ça ne va pas jouer. Voilà, vous êtes vraiment le plus relax possible. Voilà. Alors ce qui se passe, et ce qui s'est passé sur plusieurs que j'ai vus, c'est que ça donne... Comme j'ai travaillé pieds joints, du coup on rate la cible. Dans ce cas-là, le mouvement il se fait simplement par rapport à un axe qui est ici. Et c'est simplement un axe. Pivoter simplement sur cet axe. Comme ce matin, je l'ai dit à la poudrière, il ne faut pas se tromper de cible. Votre cible, ce n'est pas le bokken. La cible, elle est bien celui qui tient le bokken. Donc si vous voulez absolument enlever ce sabre et que vous faites ce mouvement de rotation, vous n'intéressez pas du tout à lui. D'autre part, un bon sabreur en face, il revient très vite. Vous n'avez plus aucun contrôle sur votre adversaire. Donc faites attention, une fois que vous avez levé votre jaw, Pascal vous l'a rappelé hier, se fait avec cette main ici, et pas avec ce bras, ici, ne vous trompez pas sur la cible. La cible, elle reste bien l'adversaire ici. Et au passage, vous rencontrez par hasard le bokken. Donc ici... Donc il faut que Ouké vous dise, ah tu vois, tu m'as pas coupé. Ah là, tu es passé au-dessus. Ou là, tu es passé sur le côté. D'accord? Là, et venez en translation. Ok, donc vous avez ce phénomène de rotation, de semi-rotation. Ensuite, ce phénomène de translation vers l'avant, vers la cible. Et ensuite, vous finissez votre rotation avec le changement de famille. Faites attention à ça. Ouais, je m'en vais. Avec lui. Et pour le moment, je Alors, évitez de confronter, c'est pas ceci. De comprendre des échecs à nos techniques et construire de telle manière à comprendre des
Mais il faut d'abord que le premier espace, qui est votre espace corporel, soit connu, et que le deuxième espace, qui est l'espace relationnel, soit conquis. Or, souvent, on mélange tous les espaces sans pour autant avoir vraiment bien réalisé une unité à l'intérieur de soi. Alors, je vous propose de faire comme je fais d'habitude, bloc, et de bien faire votre travail comme d'habitude. C'est-à-dire, je le lève avec mes épaules. Et là, je vais commencer à répartir la force vers le bas du corps. Vous voyez, là, je suis arrivé à peu près à mon bassin. Maintenant, je commence à investir mes genoux et mes pieds. Je n'ai rien changé. Il n'y a pas eu de mouvement chez moi, simplement une répartition de la charge qui vient sur moi, sur l'ensemble de mon corps. Ici, je tiens et je bloque. Encore, c'est trop léger que ça. Mais plus fort, hein. Enfin, le haut. Avec les épaules. Et je commence à répartir mes bras, mes épaules. Je descends dans mon bassin. Je vais chercher les genoux. Et il tombe tranquillement. Cette notion de répartition de la force de votre adversaire existe. On la connaît très nettement. Si par exemple, dans cette position, il pousse que sur mon bras, j'aurais beaucoup plus de mal à répartir toute sa force sur l'ensemble de ma structure. Par contre, ce sera nettement plus facile si à l'intérieur ça fonctionne. J'ai une amie qui, à un moment donné, se faisait payer des, comment on appelle ça, des repas dans des manouches au bras de fer. Et je lui dis, mais tu faisais ça? Elle disait, ouais. Les mecs, ils arrivaient, ils me disaient, ouais, bon, allez, on fait un bras de fer. Et elle disait, ok, pas de problème. Alors j'ai dit, mais je serais intéressé de comprendre comment tu faisais. Elle me dit, mais tu sais, c'est pas moi qui retournais le bras. C'est simplement que je tenais tellement bien que les manouches n'arrivaient absolument pas à passer. Alors je lui ai demandé de voir comment elle faisait, et de suite elle a fait ça. C'est-à-dire que l'ensemble de la force était répartie sur l'ensemble de son corps. Elle était assise. Et à partir de là, les manouches n'arrivaient pas parce que ce n'était pas un bras de fer, c'était face à un corps de fer qu'elle tenait. Et dans ce cas-là, elle pouvait tenir, elle tenait. Alors les mecs, comme ils étaient qu'avec le bras, ils allaient se fatiguer, mais la force était absorbée et répartie. Donc je vous propose d'être à deux et de faire pour une fois ce que vous ne faites jamais très mal. Avec les épaules. Une fois que vous êtes dans cette position, vraiment bien bloqué, vous répartissez dans vos épaules, vous ouvrez les mains, vous répartissez dans votre bassin, dans vos genoux, jusque dans vos pieds pour avoir la colonne de haut en bas. Tant qu'on n'a pas ça, je crois qu'on aura du mal. Ce qui fait de ce stage un stage particulier est bien entendu l'endroit, un endroit de rêve, une île où il n'y a personne, pas de voiture, ça je pense que ça fait beaucoup. C'est également, ce stage est privilégié, enfin, est très spécial par rapport aux autres, parce que c'est le premier qui a osé ce genre de choses, donc de mettre trois disciplines ensemble, et de voir, de choisir un principe et de demander aux trois disciplines de travailler une forme qui met en valeur ce principe. Donc ça c'est une chose qui ne s'était pas faite avant dans la région, enfin même en Europe, on avait très très peu de stages où on mélangeait les disciplines. Au contraire, les disciplines sont toujours bien à part en disant ça c'est pas bon, moi ce que je fais c'est mieux que les autres, etc. Donc là il y a eu un échange et un enrichissement énorme. Et donc ce stage est quand même le père de tous les stages qui ont petit à petit copier un peu ce principe. This is not the eye. The eye is all together. From here. All this together. Together. One. 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 There are three. Many of you make 4, 5, 6. So it's not easy, especially on the mat. I never work on the mat, I don't like it. But some thought. Before we saw. Now one movement. I put my saya back in front. I put my knee here. I put my sword here and here.
And all this is one only movement. So you can work about 1 year on this. Ici, là, tout ça va être fait en même temps. Peut-être ici, ici. Des gens travaillant avec un même objectif, avec les mêmes buts, donne au stage un caractère que vous ne trouvez pas forcément dans des stages habituellement. Un stage habituellement, vous avez un gymnase quelque part, après le logement c'est dans les divers hôtels, éventuellement il y a une crêpe, quelque chose qui rapproche un peu plus. Mais je crois que ici, à la différence des crêpes, le crêpe c'est institutionnalisé, c'est industrialisé, etc. Alors qu'ici c'est la beauté du fort, un lieu historique, et évidemment du beau temps où on peut travailler dehors, ça se fait rarement dans les arts martiaux, en général on est dans un dojo. Donc le fait de travailler quasiment 80% du stage à l'extérieur, et juste la partie aïkido à l'intérieur, ça donne vraiment un caractère différent. Aussi, ici, tout le monde pratique les trois disciplines. Ils participent, même s'ils ne sont pas pratiquants d'une des disciplines, lors des cours en commun, ils retrouvent avec les mêmes principes un travail semblable de cette autre discipline. Et ça, c'est toujours très enrichissant. Et ça, c'est ici, je pense, c'est le premier stage qui a jamais. Qu'est-ce qu'il peut faire à partir de là?
il est également offensif-défensif. Il y a un équilibre. D'où la raison, on dit Julam Nobray, c'est Egan Nobray par exemple, qui sont bien droit dans les yeux. C'est l'équilibre. Quand vous dites Chu, c'est au milieu, mais ça veut dire aussi le moyen. Dans les statistiques, le moyen de Chu. Donc, s'il adopte une autre, c'est pas, on a un corps humain, il n'y en a pas de fantiné. Guédan. Guédan met beaucoup plus en évidence les éléments défensifs que d'autres offensifs. Il n'a pas l'air comme ça de le voir offensif. Hein? Non? Quand quelqu'un vous regarde comme ça, ça va. Votre arme est en bas, etc. Il n'est pas offensif. Il a essentiellement une prédominance, je ne sais pas si c'est 60-70% du haut, donc le bourri. S'il prend Jordan, brandir en sans arme et puis comme ça, bon, là vous sentez immédiatement que le caractère des éléments d'offensif, commence à prédominer dans l'équilibre. Chaque cavalier a ça. Et chaque cavalier demande d'être placé en face d'un cavalier qui équilibre le yin et le yang. Ça, c'est la théorie. Je ne sais pas si je suis tarantiste à ce point-là, mais en tout cas, si lui prend Jordan, le cavalier, qui est beaucoup plus offensif et menaçant, je mets en place plus de défensif et ça, le contrer. Ça peut le montrer. Ça, c'est le champ. Si on se met tous les deux comme ça, comme dans le champ. Oui, pareil. Bon, donc il y a une étude à faire sur le sens de l'esprit. La vie, hein? Par exemple, voilà, le visible et l'invisible dans tout. C'est ce que le travail peut vous dire. On ne va pas écrire par définition mathématique que ça veut dire ça. Donc par exemple, je peux très bien être ici. Ce gars qui fait du yin, il a sans arbre qui est ici. C'est un travail, c'est pas simplement. Et en même temps, c'est la position dans laquelle il transporte son sabre. Donc pour lui, pour le spécialiste, c'est du yai, a priori, son travail est là. Là, il n'y a pas de quoi vraiment s'alarmer et dire, en tout cas, il est offensif, il est là. Si le sabre était sorti, ça change tout. Ils ont tiré leur sabre une clé. Alors, ici, vous pourriez être comme ça, quand vous tenez votre sabre pour le... dans le dojo. C'est pas une étude de pensée, vous pouvez être le travail. C'est-à-dire que le travail vient de vous. Donc, même si vous étiez comme ça, quand même. Donc, vous pouvez agir de la même manière. Vous l'étudiez dans le tanjo, par exemple. Votre mouvement, il est possible. Donc on ne peut pas dire un kamaï, c'est vraiment l'équilibre. Vous pouvez être un kamaï. Et les formes de base dans l'équilibre, Chudan, Gedan, Jodan, Aso, Wakiyamai, enfin Gedan, Wakiyamai, parfois. Avec ça, vous en avez un panoplie intéressant et qui vous permet de pratiquer les coupes dans tous les sens. Donc, si j'ai Shomenji, on vient de faire une petite direction. Ici, Shomen. C'est ça. Alors, il n'y a pas la porte. Il y a Koichi Manji.
ça. Hop. Vous avez mis directement et vous pouvez les faire tous l'un après l'autre facilement sur une attaque de chemin. L'ascension, pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un jour férié en France. Donc les gens, ça leur permettait de pour prendre simplement un jour le vendredi et de faire le pont, et de pouvoir se libérer assez facilement, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les étrangers, mais ça n'a jamais posé de problème non plus. Et puis bon, l'ascension, ça avait un petit côté mystique. Mais ce n'est pas ça qui a été l'idée au départ. C'était vraiment la date tombait bien. Et commencer un jeudi pour finir un dimanche, c'était plus qu'un week-end, c'était moins qu'une semaine, mais c'était parfait pour faire un stage intensif pendant 3 jours. C'est comme une fois ça suffit, enfin non ça suffit pas, mais une fois bien, c'est mieux qu'un million de fois mal. Un million de fois mal, c'est imprimé dans la mémoire du corps. Toutes les conneries sont imprimées dans la mémoire du corps. Et après, il faut s'en débarrasser. Alors, on parlait de Misogi et de truc. Une fois qu'on a forgé dans le corps des conneries, pour se débarrasser de ces conneries, c'est un travail terrible, terrible, terrible. Si on se donne la peine de faire un travail avec conscience, sans se presser trop, mais en essayant d'être présent à ce qu'on fait, tout simplement, c'est pas 10 000 fois. Il vaut mieux le faire une fois bien. Ça, j'en suis intimement persuadé. Mais une fois, ça suffit pas. Il faut pouvoir le répéter après. Alors, il y a quand même besoin d'un peu de travail. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut qu'en faisant strictement rien, on apprend l'aïkido. On peut pas l'apprendre dans un bouquin. On est là aussi pour travailler. Mais c'est pas la quantité de transpiration qui mesure la qualité du travail. Je sais pas si je me fais entendre. Oh non, c'est pas difficile à concevoir. Je sais pas, si vous voulez prendre un point de vue sérieux, la maîtrise est l'objectif final de votre discipline. Si vous faites la musique, c'est la maîtrise. Si vous ferez la peinture, ça serait la maîtrise de votre art. Et il faut du travail, il faut des années de travail. C'est quelque chose qui peut aller relativement vite en acquisition de technique, mais des fois, seule l'expérience acquise au cours des années va permettre de mûrir et d'avancer. Donc, c'est étonnant, on croit. Un an ou 2 ans, c'est long, mais quand on devient passionné et on étudie à fond, discipline, très rapidement, 3 ans, 5 ans, ils passent et vous regardez en arrière et vous dites mais finalement j'ai pas fait grand chose encore. Et bon, vous repartez pour encore refaire et perfectionner. Et il y a une anecdote au sujet du fondateur d'Aïkido, Maître Ueshiba Molier. Quelqu'un lui a dit, si vous aviez, je sais pas, il avait autour de 80 ans à l'époque, si vous aviez encore 80 ans devant vous, que feriez-vous? Et Osensei a répondu, il a dit, oh, j'en mettrais tous les 80 ans à l'étude de l'aïkido, à l'art qu'il a créé, parce que là, je crois que je commencerai à comprendre quelque chose. Donc même lui, il était enthousiasmé de partir pour 160 ans d'études. Donc, bon, 10 ans, c'est peu de choses. Le thème des anciens, c'est Utagai o Yurusu. Laisser la place au doute.